Bonjour et bienvenue dans ce nouveau brief, le dernier de la saison 1, le brief donc du live. Alors vous avez vu, vous, ce qu'il s'était passé. Là, aujourd'hui, on va faire le point sur ce que moi j'avais initialement prévu. Attention, comme d'habitude, ça va spoiler très très sec, donc c'est parti pour la partie brief. Nous reprenons cette partie à partir du moment où les joueurs sont arrivés au tombeau d'Eristée. Donc ils l'ont vu sur cet tapis crocheux, ils ont vu cette étendue d'herbe, le mausolée, enfin donc la crypte, hein, et la porte qui est ouverte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de mon côté, j'ai briefé les joueurs juste avant qu'on joue là, j'ai briefé les joueurs pour leur dire prenez pas trop de temps à faire le tour de la crypte, etc. parce que on a un timing à respecter. Donc le but, c'est qu'ils rentrent assez rapidement. Là-dedans, ils vont découvrir une petite crypte, toute petite, à leur grand étonnement, puisque dedans ils vont juste trouver une statue à l'effigie de Eristée et une grille derrière cette statue, une grille qui est ouverte, grille qui donne sur donc des escaliers qui s'enfoncent dans les profondeurs, et à côté de cet escalier il y a un mot de Oboshad, donc Yurgat, nouvellement nommé Yurgat, qui adresse donc ce mot à Kélis pour le prévenir, voilà, que il va avoir besoin d'adeptes avec lui pour entrer dans ce tombeau et pouvoir pénétrer dans la chambre du repos, dans la pièce du repos et la salle donc du rituel. Alors pourquoi est-ce qu'il va avoir besoin de différents acolytes, ceux qui ont été élus par Goltaras, hein, selon lui? Eh bien tout simplement parce qu'il a lancé un certain rituel sur les mécanismes d'activation de la salle du repos. C'est un rituel assez simple, hein, puisque les mécanismes sont cachés dans des bénitiers, dans lesquels il y a une sorte de petit renfoncement dans la pierre et sur lequel on peut appuyer, donc comme un bouton littéralement, pour activer un mécanisme qui permet d'ouvrir la porte. Mais les bénitiers ont été enchantés par Yurgat pour faire en sorte que seuls ceux qui ont reçu, alors bénédiction, je sais pas si on peut parler de bénédiction, mais plutôt la malédiction de la corne, seuls ceux qui ont été touchés par la malédiction de la corne peuvent ouvrir cette pièce-là. Ce qui fait que les joueurs peuvent également atteindre ces mécanismes. Très bonne nouvelle, d'autant plus une bonne nouvelle que... Alors de mon côté, j'avais un petit peu espéré qu'ils tentent de boire dans la corne, ils essayent ce genre de petite expérience, et ils l'ont fait, donc... J'en suis particulièrement ravi de mon côté, ce qui me permet donc de leur proposer cette problématique. S'ils n'avaient pas bu dans la corne, concrètement, j'aurais pas mis cette problématique-là. Et donc après ça, ils vont rentrer donc dans ce tunnel. J'imagine qu'ils vont être assez prudents, ils vont s'avancer, ils vont découvrir sur leur droite, en arrivant en bas des escaliers, une porte, donc la porte de la salle du repos, qui est fermée, qui est donc inaccessible pour le moment, puisqu'il faut activer les autres mécanismes pour ça, et elle a trois zones sur lesquelles on peut appuyer pour enclencher une fois que les autres mécanismes sont activés. Continuons là-dedans, il y a une autre pièce qu'ils vont découvrir, dans laquelle il y aura l'histoire des compagnons d'Eristée. Très important de retenir cette histoire dans cette pièce-là. Soit ils vont être studieux, et je pense qu'il y en a certains, type Kratel, qui vont être studieux et qui vont prendre en note vraiment ce que je vais leur lire à cet endroit-là, ce qu'ils vont découvrir et ce qu'ils vont lire. Il va falloir qu'ils soient studieux, puisque ces informations vont être très utiles par la suite, notamment dans la pièce des statues. Mais on va y revenir. Première pièce, celle avec l'histoire des compagnons d'Eristée. Deuxième pièce, bon, la deuxième pièce, il n'y a pas grand chose à faire, hein. C'est juste une zone de prière et de recueillement pour les pèlerins. Une zone où il y a un reliquaire qui contient les organes d'Eristée. C'est assez glauque, assez dégueulasse certes, mais c'est comme ça, voilà, les organes des personnages saints, hein, si vous regardez au niveau de la religion chrétienne notamment, ça donne souvent lieu à la création de reliques. Continuons, ils vont passer une grille, puisque là pour pour l'instant, ils étaient dans la zone qui était initialement accessible par les pèlerins qui pouvaient se rendre sur ce lieu pour prier Méalier et rendre hommage à Eristée. Là, on accède dans la zone qui n'était que réservée en soi aux prêtres qui s'occupaient du lieu initialement, aujourd'hui abandonné, et aux pèlerins qui auront été acceptés pour passer les épreuves d'Eristée, ce qui est assez rare. La première pièce, normalement, c'est la pièce du premier gardien. Le souci, c'est que ce premier gardien a rencontré les hommes de Yurgat qui se sont battus contre lui. Ils n'ont pas vraiment cherché à savoir comment étaient constitués ces gardiens-là, ils ont juste cherché à le détruire pour pouvoir accéder au premier mécanisme qui était dans le premier bénitier. Donc ça donne lieu à une scène un peu macabre où on voit un corps mutilé, brûlé, recouvert en partie de cire puisque les gardiens étaient des golems de cire hein, qui ont été formés sous l'apparence d'Eristée et qui au fur et à mesure des années ont pris au final ont pris conscience, une sorte de conscience, et étaient persuadés d'être réellement Eristée. Voilà, avec deux personnalités différentes. Vous avez choisi pour une seule, hein, je ne sais pas encore laquelle des deux, qui est celle de la seconde pièce du gardien. Donc là, cette première salle, premier levier. Deuxième salle du gardien, justement, juste après, un gardien qui est encore actif. Pourquoi est-ce qu'il est encore actif? Tout simplement parce que les adeptes de Yurgat n'ont pas pris ce passage, ils sont passés par les passages secrets pour éviter le gardien et éviter les énigmes qu'il y avait de poser un peu partout dans cet endroit. Deuxième gardien, deux personnalités possibles, et si on répond justement à ces différentes questions qui sont plutôt tournées sur la vision de la religion, comment combattre l'hérésie, comment vivre en communauté, etc. Eh bien, si on répond correctement, il permet de passer à la porte qui est derrière lui. Si on ne répond pas correctement, dans un premier temps, il invite les aventuriers à quitter la pièce, voilà, le plus vite possible, et n'y revenez point. Et si les joueurs insistent pour vraiment passer malgré le fait qu'il est refusé, là, eh bien, s'enclenche un combat contre le golem de cire, qui est quand même un adversaire assez costaud hein, pour des personnages de niveau 3. Derrière, quelque chose d'assez simple, puisque c'est une pièce qui est toute carrée, avec un nouveau bénitier dans lequel il y a le second levier, et derrière ça, il y a un passage secret. Passage secret qui s'ouvre avec un sort de soin, à mettre sur le, enfin à appliquer sur le symbole des guérisseurs. Donc voilà, c'est une énigme toute con, mais on va voir comment est-ce qu'ils vont y réagir, est-ce qu'ils vont trouver le moyen d'ouvrir ce passage secret ou pas. Ce passage secret après amène à une petite pièce dans laquelle, qui est dédiée à Kaliniel, donc l'elfe qui accompagnait Eristée dans ses aventures, et dans cet endroit-là, on va trouver un objet qui va intéresser notamment Mayal, un carquois efficace dans lequel elle pourra ranger beaucoup plus de flèches, les trouver facilement, notamment si elle a différents types de flèches, peut-être des flèches magiques, des flèches empoisonnées, des flèches comme ça, et dans lequel elle peut même ranger aussi des objets un peu plus importants, comme par exemple son arc, et trouver le moyen de transporter plus de choses. Revenons à nos moutons, hein, revenons un peu plus loin, dans la salle des statues. Une salle qui est découpée voilà, en sorte d'escalier, hein, dans laquelle il y a 6 statues. Alors deux de ces statues représentent Méalier et Cruz, donc il n'y a pas d'action à faire, mais les autres en revanche représentent les 4 compagnons d'Eristée qui du coup sont représentés ici avec un petit bouton, on va dire, sur lequel on peut appuyer devant eux, et c'est là où il faut se rappeler en fait l'histoire des compagnons d'Eristée, puisque il va falloir activer chacune de ces statues dans un ordre précis, c'est-à-dire dans l'ordre dans lequel ils ont rejoint Eristée dans un premier temps, mais ce n'est pas tout, il faut aussi poursuivre avec l'ordre dans lequel ils sont décédés. Il va falloir qu'ils le fassent dans le bon ordre, sinon eh bien, ils prendront un jet de froid de la part des statues des deux dieux qui ne servent qu'à bien faire des dégâts. Et une fois qu'ils ont réussi la bonne séquence, la porte s'ouvre pour donner accès à une nouvelle pièce qui est la salle du bassin. Salle du bassin qui est un petit peu particulière, une grande salle au milieu de laquelle il y a donc un bassin d'eau et derrière lequel il y a une statue de Méalier, donc, et dans le bassin il y a des richesses, beaucoup de richesses. Ils seront peut-être tentés par le fait de piquer ces richesses, hein. Eh bien il y aura un petit élémentaire d'eau qui sortira pour les asperger d'eau et cette eau sera maudite, ce sera une eau maudite, eau un peu croupie qui les blessera. Et leur fera comme une sorte de brûlure, voilà, et leur infligera des dégâts. Si au contraire, ils déposent de l'argent, le petit élémentaire d'eau qui sort n'est pas un élémentaire d'eau croupie, mais un élémentaire d'eau claire, et donc qui leur projette de l'eau bénite dessus, et qui les soigne de tous leurs maux, et de tous leurs affaiblissements, excepté évidemment ceux associés à la malédiction de Goltaras. Continuons jusqu'à la salle en forme d'entonnoir, qui est clairement une salle piège à con, hein, on va dire, puisque dans cette salle, il y a une série de pièges qui va se déclencher à partir du moment où on aura passé un certain seuil, et ces pièges vont rabattre les joueurs, hein, suivant qui rentrera dans la pièce, vers le tout petit couloir qui est vraiment très étroit, et dans lequel il y a des séries de fléchettes qui sont tirées également, donc maintenant compliqué d'en sortir sans quelques égratignures, voilà, ça risque d'être compliqué, hein, mais peut-être qu'ils y arriveront, jusqu'à arriver derrière à une double porte qui s'ouvre sur une salle carrée avec une statue d'Eristée, avec plusieurs emplacements disponibles pour des épées en pierre, donc des épées en marbre qu'ils auront pu trouver sur leur chemin. Et donc ces épées, il faudra les placer potentiellement à différents endroits pour ouvrir différentes portes. Notamment une des portes qui ouvre vers le bas sur tout simplement la salle du gardien initialement, qui était la personne qui s'occupait et qui gardait ce lieu sacré. Aujourd'hui, c'est déserté, évidemment, il n'y a plus aucun gardien qui vit ici. Et la dernière porte qui ouvre de son côté vers le dernier mécanisme. Attention, il y a un petit piège quand même sur le chemin, hein, sur ce petit couloir entre la pièce carrée avec la statue et la pièce du dernier bénitier. Une petite fosse avec des pics dedans, de quoi faire... peu mal, voilà. Et puis un dernier passage secret aussi qu'il faudra noter, passage secret qui intervient juste avant la salle des pièges et qui permet donc de contourner tout ce passage entre les pièges et la salle carrée avec la statue pour arriver directement à la salle du bénitier, en passant par une petite salle de stockage dans laquelle il y a nombre d'objets dont un collier magique, que j'espère qu'ils prendront, hein, et qu'ils porteront, puisqu'ils leur réservent quelques petites surprises. Mais je vais pas en dire beaucoup plus. Ça, c'est pour la description de ce qui compose le donjon du repos d'Eristée. Une fois qu'ils auront activé les trois mécanismes, ils pourront ouvrir la salle du repos d'Eristée, salle dans laquelle eh bien, le rituel a lieu, hein, voilà, on aura une petite exposition du rituel selon l'avancement qui aura été décidé par le chat. S'en suivra évidemment un combat avant lequel sera intervenue la voix de Goltaras pour exprimer son mécontentement vis-à-vis de ce rituel, puisque Goltaras est une divinité chaotique certes, mais chaotique. Associé à la maladie, hein. Ses cultes sont associés chaotique mauvais, mais lui-même, enfin le dieu en lui-même, est plutôt chaotique neutre, puisque les maladies, voilà, ça se répand, peu importe qui est la cible. Il donne les maladies, mais dans un effort d'équité, d'équilibre, on va dire, pour faire respecter l'équilibre. C'est bel et bien un dieu qui s'est repenti par rapport à l'histoire qui a été donnée, mais les cultes, eux, tentent d'utiliser son pouvoir, dont il n'est pas forcément maître, puisque une chose qu'il faut savoir, c'est que les dieux, à partir du moment où on les prie, eh bien, ils n'ont pas forcément de prise sur le pouvoir qu'ils accordent à qui les prie. C'est là où ça peut être un petit peu paradoxal et problématique. Et donc, il interviendra pour aider les joueurs joueurs en rendant le combat un peu plus équilibré, puisque dans ceux qui vont combattre, il y aura donc Oboshad, mais aussi deux mercenaires qu'il a payés, dont Aloïs, hein, la capitaine qu'on avait déjà croisée, qui aura quelques réticences à combattre les joueurs. Peut-être réussiront-ils à la faire changer de camp, on verra. Le combat, je vais pas en dire de trop, hein, disons que Oboshad est un lanceur de sorts, donc je pense qu'il peut leur poser quelques petits soucis, notamment avec quelques rayons affaiblissants, des cécités aussi ou surdités qu'il peut lancer sur les joueurs, et puis un sort de sommeil toujours qu'on a déjà vu à l'œuvre et qui peut faire très mal. À la fin du combat, il va être, j'imagine, soit agonisant, soit mort, on va voir. Je vais essayer d'intervenir au moment où il est en train d'agoniser, je sais plus, pour faire intervenir Goltaras, qui se manifestera à ce moment-là dans une représentation décrite d'horreur et de majesté pour, eh bien, faire la leçon à Oboshad, lui dire que, eh bien, son espoir était vain, il utilisait son pouvoir, et qu'il sera jugé par Cruz. Au-delà de ça, il va également signaler aux joueurs que il faudrait condamner cet endroit, puisque c'est devenu l'endroit parfait pour enfermer les objets sacrés autour duquel ont été tournés ce rituel, à savoir la corne et le sceptre, puisque de son côté, Oboshad a fait en sorte que cet endroit ne puisse être ouvert sans le pouvoir de la corne. Donc, y enfermer la corne, c'est le meilleur moyen de la faire disparaître, évidemment. Donc pour ça, il leur demande de fermer la porte, d'une part, pour avant que les membres du temple n'arrivent, puisque eux, étant donné que ce sont des reliques sacrées, auront plutôt envie de les préserver et de les garder au temple plutôt que de les ensevelir sous la terre. Ce qui ne plaît pas à Goltaras, qui veut voir ses reliques disparaître, donc il demandera ça notamment à Kratel, et eh bien, il n'aura d'autre choix que d'y avoir un sacrifice pour fermer cette porte qui ne peut être fermée que de l'intérieur, avec donc un bouton tout au fond. Alors concrètement, ça peut être fermé de l'extérieur, mais il faut l'intervention de 3 prêtres de Mayal qui applique une bénédiction qui est aujourd'hui perdue, hein, un rituel qui aujourd'hui n'est plus connu, hein, refermer cette salle de l'extérieur. Et puis après ça, une fois que la porte sera fermée de l'intérieur, normalement par Kratel, qui devrait comprendre l'appel du pied, puisque notre très cher Fumble nous quitte à la fin de cette saison. Merci à lui de nous avoir accompagnés sur toute cette saison, et nous lui souhaitons une très bonne continuation holistique dans la suite de ses aventures. Après ça, les autres joueurs vont devoir également faire en sorte de détruire les bénitiers et détruire donc les mécanismes qui permettent d'ouvrir la porte, histoire de vraiment condamner à tout jamais cette pièce. J'imagine qu'ils auront peut-être une petite aide de la part de Kratel, qui leur aura peut-être confié quelques bombes, je ne sais pas, ou sinon ils iront tabasser les piliers. Tout ça pour dire que faire ceci, ça affaiblira la structure qui avait déjà quelques traces d'effondrement de ci, de là, et il leur faudra courir à la fin pour échapper à l'éboulement de cet endroit. Ils vont se précipiter vers la sortie, ils vont potentiellement avoir du mal à sortir, puisque il va y avoir un éboulement à ce moment-là. Je vais leur demander un jet de réflexe pour savoir s'ils parviennent à s'agripper au bord ou pas. Et petite Deus Ex Machina, hein, il y aura l'intervention d'un PNJ, d'un des viewers à ce moment-là, qui saisira le bras de la personne qui sera le plus devant et qui tombera en fait dans l'éboulement, dans l'escalier brisé. Et après ça, eh bien, on aura fini cette session qui est assez vaste. Alors, j'ai pas mal détaillé parce que c'est une organisation de donjons, Donc c'est intéressant de voir un peu chaque pièce. J'espère sincèrement qu'ils vont pas y passer trop de temps. Je pense que clairement pour gagner du temps, il faut qu'ils trouvent les passages secrets, pouvoir gagner un petit peu de temps, trouver en plus des objets très intéressants et éviter de tomber dans des pièges inutiles, on va se dire. Et derrière ça, eh bien, fin de la saison, clap de fin. Et potentiellement, vous avez peut-être regardé ça juste après pour le débrief, hein, à voir si on le tourne juste après ou si on prend quelques jours avant de le tourner. On verra ça. En tout cas, moi, je vous abandonne. On se retrouve eh bien, tout de suite dans la partie débrief. Je vous souhaite un très bon live. Enfin, j'espère, en tout cas, il a été bon pour vous, que vous l'avez apprécié, qu'il n'y a pas eu trop de soucis techniques. Et on se retrouve après ça en septembre hein, pour la saison 2. Ciao. Et donc nous revoici en live après donc cette petite pause avec le brief. Bonsoir à tous, merci d'avoir été aussi nombreux pour ce live. Ça fait plaisir. Merci aux joueurs également d'avoir interprété leur rôle à merveille ce soir. Vraiment. Voilà, merci à tous les raids. Je sais que j'ai pas pris le temps de remercier tous les raids. Ah oui, bien sûr. Merci à tous les raids. J'ai pas pris le temps de les signaler et de les remercier pour rester dans l'ambiance, etc. Mais vraiment, on vous remercie de tout cœur. Merci à tous les follow également qu'il y a eu ce soir. Et bienvenue à tous. Ciao, big up. Voilà, alors pour Necrogent qui nous demande de quel jeu on parle, il s'agit d'un jeu de rôle type Donjons et Dragons, sauf qu'il s'agit de Pathfinder première édition. Et ouais, j'ai baissé un peu la musique, désolé, là, elle était beaucoup trop forte, beaucoup trop épique. On va encore la baisser un peu d'ailleurs. Et donc là, on va débriefer ensemble. Tout d'abord, ça va? Vous avez apprécié la séance? Oui. Beaucoup d'émotions sur la fin, notamment. D'accord. Oh. Alors oui, beaucoup d'émotions. Alors pour expliquer, notre cher Fumble nous quitte à la fin de cette saison. Donc voilà, on s'était un petit peu accordé. Je lui avais dit bon, t'auras un petit appel du pied au cours de la partie. Je compte sur toi pour saisir l'opportunité de tirer le rideau sur le personnage de Kratel et de sortir en beauté. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Je pense que c'est plutôt bien réalisé, de mon point de vue en tout cas. Tout à fait. Alors après, pour le côté un peu ressenti personnel, merci. Merci Bob d'avoir été partant pour cette fin, pour jouer cette fin, parce que c'est pas donné à tous les MJ d'avoir à sacrifier gratuitement et que ce soit bienvenu de la part d'un joueur un personnage en cours de jeu. Et du coup, ça amène la création de scènes qui, je trouve, sont très fortes émotionnellement et amène vraiment une interprétation et quelque chose d'unique, quoi. Le personnage part, mais de manière épique. Et je pense que on se souviendra de Kratel et de ses bombes pendant un moment et de son dernier move un peu, un peu suicidaire et désespéré. Moi, dans l'idée, là, c'était mon suicide héroïque. Hein. Ouais, j'ai bien compris ça. Sur le moment, je me suis dit, non, pas tout de suite. Ah, mais c'est ça qui est bien, si tu veux, c'est que t'es un peu mon Cruz à moi dans le niveau méta. Donc, je savais que je pouvais me permettre des trucs un petit peu particuliers. J'avais tellement cher. Je me suis dit, je préfère autant que si je dois partir un peu bêtement, ce soit vraiment de mon fait et genre que ce soit cohérent avec le personnage, etc. Parce que. Voilà, Kratel il était là avec tous les symboles et les échanges qu'on avait pu avoir sur son parcours et sur ça quoi. Voilà, c'était ça arrivait. Si ça arrivait pas là, ça arrivait juste après et il le savait parce que voilà, on en a discuté. J'ai eu des éléments de jeu qui m'ont permis d'intégrer ça. Il y a quand même eu des appels du destin, des trucs assez clairs. Où Cruz m'avait dit bon mec, c'est ton moment. ouais, du coup, une fois que c'est intégré, bah, ça passe tout seul. Mmh. Et quel moment, n'empêche, vous l'avez vécu comment, vous les autres, là, du coup? Il y avait le moment de oh, et puis bah, comme on savait, c'était un peu en mode bah, est-ce que je le laisse? Vous saviez que du coup, il allait quitter le cast, effectivement, ouais. Ouais, on était au courant, mais du coup, moi, quand je l'ai vu prendre la grenade, je me suis dit, ça y est, c'est ce moment-là et tout. Et en fait, non, on s'attendait pas trop. Même, on avait, enfin, moi, j'avais limite oublié jusqu'à ce moment-là qu'il allait partir, quoi. Donc, jusqu'au dernier moment, j'avais oublié, donc je m'y attendais plus. Moi, j'aurais joué le jeu jusqu'au bout, hein. J'aurais tenté de te foutre la baguette dans le fion, autant qu'il le fallait. J'ai fait un jet de sagesse pour utiliser la baguette quand même, mais... Il y a eu une intervention divine qui a fait que j'ai pas pu l'utiliser. Non. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, t'avais fait quoi comme jet de sagesse? J'ai même pas regardé. J'avais fait 20. 20? Ah bah t'aurais réussi à l'utiliser. Ah, c'était pas dégueu. Bon, du coup, ça économise une charge sur la baguette, on va dire. Lol. Yes. Non mais oui, c'est vrai que ça a été une belle scène et... Et derrière, donc, Kratel, enfin, je sais pas comment, de ton côté, Bob, t'avais interprété les visions qu'il avait eues, mais je suis curieux quand même de savoir comment t'avais interprété notamment l'espèce de prophétie que t'avais lue, parce que t'étais très sûr de toi, et moi j'avais fait de manière un peu sibylline en me disant, ouais, bon, à mon avis... ce qui arrive, ça s'y appliquera, quoi. Bah, c'est pas compliqué, si tu veux, il y avait, pour moi, étant donné que mon destin était lié à Cruz, t'avais certes tout un tas de possibilités, mais qui ramenaient toujours à l'idée de la mort et du départ. Je veux dire, on est quand même dans un... Il y a forcément un pendant méta qui s'y met à un moment ou à un autre. Je sais que je dois partir, donc mon personnage doit disparaître. T'as 2-3 façons de le faire disparaître, c'est-à-dire le faire partir, le faire mourir, ou le faire... Tu vois, juste un mystère quelconque. Voilà. Et étant donné qu'il y avait le lien avec Cruz, qui est quand même le dieu de la mort, bah, pour moi, c'était mourir ou faire l'ascension, si tu veux, dans l'idée. Donc, je savais que, vu les embrouilles dans lesquelles on était, il y avait une part de divin. Derrière, est-ce que c'était être un martyr ou être un sacrifice ou juste être appelé, peu importe ce qui se passait, en fait, j'avais juste à suivre. C'est ça qui était beau, c'est que j'avais une... Moi, quand la prophétie, je l'ai lue comme... De toute manière, à un moment, tu vas devoir abandonner ton équipe parce que ils auront, bah, tu devras partir tout simplement. Ouais. Et du coup, ce qui était marrant, c'est que en tant que joueur et en tant que personnage, à partir du moment où il y a eu cette prophétie et avec le lien avec tout mon lore, etc., il y a une sérénité complète parce que peu importe ce qui arrivera, ce sera dans le plan. Ça ira avec le destin qu'on m'a confié et donc du coup, j'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit. J'ai juste à aller avec le flow, à faire au mieux, et ça ira. Et bah, c'est aller, quoi. C'est vrai que, en fait, dans la définition de la prophétie, donc, faudrait que je vous la redise, quand même, la prophétie, pour que vous la restituiez. Mais il y avait un côté où, en fait, Kratel était une sorte de transition qui servait le but ultime. Mais qui n'avait pas vocation à être présent dans ce but ultime. Je vais la retrouver, la... Il était instrument. Énigme. Prophétie, plutôt. Ouais, parce qu'après, moi, j'écris des trucs et puis j'oublie. Où est-ce que je l'ai rangé dans mes grimoires? À prophétie ou à énigme? Attends, je dois l'avoir noté, moi. Il l'a noté. Voilà, je lorsque trouvé. Les trois oisillons déracinés assemblés par l'ordre se seront trouvés, dont leur adversité auront été chahutées par le chagrin à jamais lié, quand leur chemin vers le ciel clair se dévoiler, son désarroi ne saura les épargner et leur destin ils devront assumer. Voilà, moi là, je sais qu'à un moment je vais partir et ils vont devoir gérer sans moi. Exactement, sachant que toi tu représentais l'ordre en fait dans cette prophétie. La fameuse caution sérieuse. La fameuse caution sérieuse des Dés sont Jetés, qui du coup dans la prophétie avait comme vocation à rassembler en fait les trois autres personnages pour l'instant on ne sait quoi, on verra. Mais ouais, c'était... donc, du coup, t'avais interprété la prophétie dans le sens que j'avais imaginé, mais avec mon côté très sûr de toi, sur un moment, j'étais... Je sais pas s'il a bien compris. C'est presque pas important. C'est ça qui est marrant. Surjoué. Non, ça revient sur la méta, c'est presque pas important. Et en fait, pour moi, le fait de comprendre, cette prophétie passait par le fait d'avoir tous les éléments des autres visions que t'as eues, mais t'as réussi en fait à la comprendre dès le début. Donc bah, bravo à toi. C'est moi l'enquêteur du groupe, hein. Bah ouais, en même temps, il fallait bien qu'il comprenne les énigmes. Hein. Il y avait que lui à comprendre énigmes et prophéties, donc c'était énorme. Pour être tout à fait franc, sur la fin de l'épisode, j'ai un peu rajouté du drama dans la description globale, notamment quand vous avez, quand vous êtes sorti de la crypte. En fait, initialement, j'avais pas prévu que la pique rocheuse s'effondre, embarquant avec lui tout le côté dramatique du tombeau d'Eristée qui tombe à l'eau et est enfoui sous des monceaux de pierres dans les eaux. Ça veut dire que... Attends, petite question. Ouais. Ça veut dire que du coup, s'il s'est effondré, potentiellement, la cage de la corne, la pièce, elle est détruite, donc la corne peut être libérée de cette pièce. Je sais pas. Elle est enfouie sous des tonnes de gravats. Sur le moment, je me suis dit, la structure est fragilisée. Oh putain, c'est classe si je fais ça. Je ne suis pas posé de question. Ah, mais on va la retrouver quelque part, du coup, cette corne, à un moment donné. Elle peut être retrouvable si la pièce est détruite. Sachant que pour l'instant, je vous ai pas donné le détail, mais il y a quand même une phrase que j'ai dit à Kratel qui aura son importance par la suite. Oh my god! Une phrase que t'as dit à Kratel et qui va avoir son importance par la suite? Tout à fait. Mais tu l'as dit qu'à Kratel? Non, vous l'avez entendu, c'était à la toute fin dans ce que lui a dit Goltaras avant de lui tendre la main. Bon, je vous le dis quand même parce que vous allez avoir un... J'ai oublié, au secours. Bah justement, ça a un lien avec l'oubli, puisque la phrase, c'est que du coup, le sens de ce qui a été accompli ici et du sacrifice qui a été effectué devra être effacé et oublié pour que nul dans les mémoires ne cherche à jamais... Faut pas qu'on raconte... D'accord. Voilà. Donc dans l'idée, en fait, une fois que vous partez derrière, vous allez même avoir oublié quelque part ce que vous faisiez là-dedans. Vous savez que vous combattiez une sorte de secte et que Kratel s'est sacrifié pour faire en sorte que vous puissiez partir indemne, mais derrière toute l'histoire de la corne, etc., c'est devenu un peu flou pour vous et vous avez oublié le rôle qui avait mené la corne et le sceptre d'Eristée dans l'histoire. C'est pas grave, on ira voir Miklos et dans ses livres de comptes, il y aura forcément une ligne qui dit corne machin, 15 pièces d'argent, 15 pièces d'or. peut-être. Mais lui, donc, du coup, on a un joueur en moins, donc ce qui veut dire qu'on aura un joueur en plus à la saison prochaine. Mais c'est mathématique, Jamy. Je vais garder le teasing pour l'instant, je pense qu'on révélera courant de l'été la personne qui va nous rejoindre. Mais on sait déjà tous, hein, qui va nous rejoindre dans le groupe, donc on lui souhaite la bienvenue, à il ou elle. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Ça touche aux animaux. Moi, oui, d'ailleurs, en parlant c'est ni Mister MV, ni Bob Lennon, mais on n'en est pas loin. Du coup, d'ailleurs, en parlant pas touche aux animaux, Mayal. Oui. Mais je m'y attendais pas, moi je pensais que c'était pour la saison prochaine. Bah, c'est pour la saison prochaine, mais vous allez passer niveau 4 pour la saison prochaine. Oh, oui. Et donc pas touche aux animaux? Attendez, j'ai pas loupé la ref. En fait, c'est son compagnon animal qu'elle vient de... Ah, le collier! Non, pas le... Non, le caracal. C'est Mibi, le collier. Ah, le dernier caracal, ah oui, oh, c'est moi... Tu nous confonds. Désolé. Bah, Le caracal. Comment ça, oui. C'est moins... Je crois qu'il va pas trop t'aimer. Hein. Moi, je préfère Calcifer, c'est tout. Comment tu vas l'appeler, d'ailleurs? Ah, ça, c'est un secret. Non, 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 je veux savoir le collier, moi. Sachant qu'il va falloir que tu définisses si c'est un mâle ou une femelle aussi. Oh. Attends, le caracal ou le collier? Non, le caracal. Le caracal, pas le collier. Le bordel. Oh là là. J'ai pas réfléchi encore. Donc oui, voilà, donc un nouveau PNJ en tout cas qui va rejoindre la personne de ce caracal qui va devenir donc le compagnon animal de Mayal. Et bah effectivement, Mibi, toi aussi t'as gagné un petit compagnon supplémentaire qui va faire la causette avec Monsieur Sneaky. Avec Monsieur Sneaky. Énorme. D'ailleurs, je peux vous donner maintenant les résultats des sondages. Ah oui, les sondages. Alors, mais quelles étaient les questions et les réponses du coup? Les différentes questions. La première, c'était est-ce que les passages secrets sont ouverts, en partie effondrés ou glissants et humides? Et ils ont choisi glissants et humides. Donc ça n'a pas eu une grosse importance dessus, c'était plus pour de la description. S'ils étaient ouverts, ça vous aurait juste épargné le temps de chercher comment est-ce qu'on ouvre les passages secrets. Ça aurait pu être un gain de temps. Le deuxième sondage, c'était quel est le comportement du gardien. Donc vous avez eu de la chance, les viewers ont été très gentils avec vous parce qu'ils ont choisi que le gardien serait chaleureux, pacifiste et prêcheur. Donc c'était assez simple à gérer en termes de réponse. Mais la deuxième solution, c'était qu'il soit froid, véhément et intransigeant. Donc ça aurait été un petit peu plus touchy pour répondre à ces questions. Et notamment, il vous aurait potentiellement posé la question fatidique de comment est-ce que vous luttez les hérésies. Et sachant qu'il y avait un petit trick là-dessus, parce qu'il fallait pas... fallait pas juste dire on supprime les hérésies, fallait aussi partir du principe que, vu que c'était mes alliés et donc une déesse bonne, fallait partir du principe que potentiellement, personne ne naît mauvais et que s'il est devenu mauvais, c'était pour une raison qu'il fallait soigner. Donc c'était un petit peu le piège, ça aurait été plus complexe. Il fallait attaquer à la racine et non attaquer le problème en question. Parce que nous, on aurait dit faut tout cramer. Donc, on aura bien la racine qui cramera en même temps. Deuxième choix, mais ils ont été gentils, ils ont choisi le choix chaleureux, pacifiste et prêcheur. Troisième sondage, c'était le collier que les aventuriers vont trouver sera égoïste ou héroïque. Et ils ont choisi égoïste. Oh no. Donc, tu l'as vu un tout petit peu à la fin quand il a dit attends, il y a un danger? Non, mais on se barre, hein, et puis on lui crame la gueule. S'il avait été héroïque, je pense que dès le départ du combat, il t'aurait dit allez, on y va. Et je lui aurais fait une voix un peu différente. Mais égoïste, je pense qu'on va bien s'amuser à lui faire des petites voix pendant les épisodes. Ouais, grave. Donc voilà. Et le dernier sondage, c'était où en est l'avancement du rituel. Donc où en est l'avancement du rituel, il y avait trois propositions. Il y avait en cours de préparation, en cours de réalisation et quasiment achevé. Donc ils ont tapé au milieu, ils ont choisi en cours de réalisation. Ok, donc c'est pour ça qu'il y en avait 3 clampins sur 6 qui étaient cramés. C'est ça, exactement. La différence, c'était en fait le timer qu'il y avait sur le... Donc les acolytes qui allaient se fondre en cendres pour accomplir le rituel. S'ils avaient choisi quasiment achevé, en fait, il restait plus qu'un seul acolyte et il fallait agir très très vite pour le tuer avant qu'il ne tombe en cendres. Donc. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il était fini ? Ah bah alors là. Il y aurait eu peut-être quand même un combat avec Oboshad et l'intervention de Goltaras, etc. Mais les conséquences pour la saison 2 auraient été complètement différentes. À savoir que du coup, vous auriez vu une montée en puissance de la maladie dans la région et avec les 5 afflictions de Goltaras qui se seraient répandues sur les terres. Le Covid. Wow. Le monde un peu. Eh ben. Le ça. Covid. Justin Bieber. Oh mon dieu. On aurait eu le droit à tout. Ouais, ouais, surtout Justin Bieber. Les sauterelles voilà. Et la tectonique. Voilà, voilà. Et ça, ok. Alors du coup, il y a quand même des salles que vous avez pas vues. Ah bah oui, on n'a pas eu le brief. L'entonnoir là. Ouais, ouais j'ai écouté le brief moi. Avec les pièges. Avec les pièges. Défoncé. Ah, il y avait plein de pièges dedans. Ah, il y avait plein de pièges. En fait, à partir du moment où vous passiez le milieu de la salle, il y avait toute une rangée ouais. de colonnes qui s'élevaient du sol avec des lames autour. Oh putain. Qui vous rabattaient vers le fond de la pièce, donc vers le tout petit passage, le tout petit couloir, par lequel vous, ouais. vous auriez été obligé de passer. Et dans lequel en fait il y avait des fléchettes qui partaient et enfin de manière obligée vous sortiez de là avec des dégâts quoi. Et oh là là. Fallait faire des jeux de réflexe pour éviter les dégâts, ça aurait été compliqué et je pense que vous auriez pris des dégâts un peu inutilement parce que cette pièce peut être complètement esquivée. La preuve. Voilà et sachant que l'autre pièce que vous avez pas faite, celle avec les murs en escalier. En escalier. Le principe, c'est qu'en fait, il fallait se souvenir du récit des compagnons d'Eristée pour, du coup, en fait, sur les 4 statues des compagnons, il y avait un espèce de petit ouais. bouton qui pouvait être enclenché. Et à chaque fois, il fallait en fait enclencher les boutons de chaque personnage dans l'ordre dans lequel ils avaient rejoint Eristée et dans l'ordre dans lequel ils étaient décédés. Oh c'est compliqué le truc de ah, tu l'avais noté? Ah oui. Bah, j'ai noté leur nom donc forcément dans l'ordre d'apparition ouais. Dans l'ordre d'apparition. Ah ça y est t'as rebelote la malédiction. Mayal t'as rebelote la malédiction, t'es flou. Du coup dans cette salle là il y avait un petit piège. Parce qu'en fait toutes les statues étaient activées 2 fois d'affilée. Sauf l'orgrain, okay. qui du coup n'était pas mort dans le récit, puisque c'est lui qui a construit l'endroit. Donc l'orgrain n'était qu'à activer qu'une seule fois. Donc ça, vous auriez pu passer beaucoup de temps sur cette énigme et prendre des dégâts, parce que y avait les 2 statues des déesses qui faisaient des dégâts de froid si vous vous trompiez de séquence. On aurait tout fait, il y avait moyen de faire 2 séances hein, sur cet épisode. Il était assez vaste et c'est pour ça que en fait, je l'avais prévu d'un point de vue logique dans la gestion de l'endroit, j'avais prévu des passages secrets parce que comme c'était un lieu initialement qui était là pour éprouver la croyance des suivants de mes alliés, il fallait quand même que les prêtres puissent un peu entretenir l'endroit, donc il fallait quand même qu'ils puissent se déplacer de manière un peu sûre dedans. Donc les passages secrets initialement étaient là pour ça, pour que les prêtres de mes alliés puissent se promener là-dedans, donc c'est pour ça qu'ils s'activaient ouais. avec des sorts de soins. Et derrière je me suis dit, pour terminer dans les temps, il faut absolument qu'ils tombent sur les passages secrets. Sinon ça va être beaucoup trop. Obligé. Ça va être mort. Bon et du coup ma réussite critique elle t'a saoulé niveau combien? Ah oui sur la pendant le combat. Oui. Bah, autant te dire que au début je me suis dit ah il a pas tant de points de vie que ça quand même Oboshad, il en avait 40. Je me suis dit c'est pas tant que ça. Bon, avec un compagnon à côté ou 2 compagnons à côté, ça devrait être équilibré. Et en fait, ça a quand même été équilibré. Ça a quand même été équilibré parce que ça n'a pas été si simple que ça pour vous. Kratel a pris beaucoup de dégâts, vous auriez pu prendre encore plus de dégâts. Il y a eu un affaiblissement de force pour Eldebaf qui est temporaire, mais quand même un affaiblissement de force. Ouais. Et puis les cécités qui font très mal parce que tu peux pas les supprimer comme ça, ainsi que les sorts de sommeil. Bref, du coup c'était quand même un gros adversaire, donc même en ayant Aloïs de votre côté, j'ai choisi de faire fuir le 2e parce que je me suis dit sinon ça va vraiment pas être équilibré, ça va pas être intéressant. Oui. Mais concrètement, ouais. Là, Là, j'ai un petit peu joué avec les différents sorts pour rééquilibrer. Et c'était quand même un ennemi de niveau 6. Hein. Donc, oui, non, ah ouais. Ouais, il avait de la ressource hein, quand même. Donc c'est pour ça que c'était quand même un gros challenge pour des personnages de niveau 4. Tandis qu'Aloïs, elle était aussi d'équivalence niveau 3 même. Niveau 3 je crois, ouais, 3 ou 4 de son côté. Donc c'était une aide, mais c'était pas elle qui allait faire pencher la balance vraiment d'un côté ou de l'autre. Donc ouais. Voilà. Mais non, non, effectivement, j'ai été très étonné par ton vin. Je sais pas si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser bien. Aussi. Hein. N'hésitez pas à les poser si vous avez des questions sur la saison, même en entier, puisque là on arrive, donc c'est le dernier épisode de la saison. Derrière, on va faire une pause cet été, on reviendra à partir du 6 septembre pour la saison 2. Donc si vous avez des questions, même sur l'entièreté de cette saison, n'hésitez pas. Allez-y, arrosez-nous. Comme je vous ai dit, je suis pas chez moi et donc du coup la personne qui m'a prêté la part pour avoir une bonne connexion va pas tarder à rentrer, donc je vais éviter de trop squatter. Navré. Ça marche. Bah, mais c'était un grand plaisir. Je vous souhaite toute la réussite du monde pour la suite et bah, merci beaucoup. Merci. Profite pas. Merci pour ta participation sur toute cette saison. Rendez-moi fier. Ouais, bah ouais, grave. Ouais, c'était un plaisir. Un plaisir de jouer. Que la bénédiction de Cruz et Dorun soit sur vous. Oh. Et sur toi également. Ah, toi aussi, Kratel. Alors, je vais devoir du coup réajuster les caméras parce que du coup ça pète un peu tout. Mais il n'y a pas de souci. Pendant ce temps-là, on nous demande quel est mon personnage préféré. Je pense que moi, il n'y a pas d'intérêt à ce que je réponde quel est mon personnage préféré. Par contre, ça peut être intéressant de savoir de votre côté quel est votre PNJ préféré dans cette saison. Eh ben, franchement, j'ai kiffé Miklos, moi. Bah, Miklos, oui. Il a été tellement présent et aidant. Il nous a quand même bien tiré de plusieurs fois du pétrin. Il nous a bien guidé. Il nous a pas fait de coup fourré, alors que c'est vrai qu'à un moment, moi je m'y attendais, un peu comme Kratel, hein, qui aurait un jour un retournement. Je sais pas ce que vous en pensiez, Mibi Mayal, mais qu'il y avait moyen qu'il nous la fasse à l'envers à un moment. Oui, au début, on a mis longtemps les suspicieux. Et ouais. Ouais, non, ouais, au final, effectivement, Miklos, c'est pas un mauvais bougre comme on dit. Hein, c'est juste que il a peut-être fait les mauvais choix de vie parfois. ouais, bah et encore, il s'en sort bien hein, au final avec sa. Oui. Avec son commerce. Oui, il s'en sort très bien. Hein. Il vit très bien de son commerce, c'est vrai. Et donc, Miklos, votre PNJ préféré. Après, c'est vrai que c'est celui que vous avez eu le plus longtemps avec vous. Ouais, c'est ça. Après, il y a les autres, on les a vus ponctuellement, donc bon, ils étaient cool. Mais sachant que du coup le dernier PNJ que vous avez vu là, donc vous le recroiserez au début de la prochaine saison, vous serez encore avec lui normalement, vu qu'on sortira tout juste de cette situation. Il y aura peut-être quelques temps qui seront passés, mais c'est un PNJ qui a été designé par une personne de la communauté, donc via Tipeee. Donc merci Giles du coup. J'étais persuadée pendant un moment que c'était pas un PNJ. Moi j'ai cru que ça serait peut-être notre nouveau copain. Et non. Parce qu'il nous a dit marteau quand même, Goltaras. Il nous a dit aussi le collier de Rune. Oui, le collier avec l'épée, la double épée. Le collier de Rune, effectivement. Alors... Vous êtes quand même tombé sur un prêtre, hein, parce qu'il s'agit d'un prêtre d'Eroneus. Mais c'est pas le bon prêtre. Hein, ça en est un autre. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans le chat? Quark est un connard. Ah. Ah bah oui hein. Ça. Quand est-ce que vous rendez les clés de la chambre chez Quark? Mais on l'a déjà fait. Si c'est bon, ils l'ont rendu ouais. Celui de LDSJ est gentil par rapport à une certaine version. C'est possible, c'est possible. Je connais pas bien Star Trek, donc je saurais pas vraiment donner mon appréciation sur la version de Quark de Star Trek. mais il est possible qu'il soit un peu plus méchant que ça. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va, clôturer là ce live pour ce soir. On va vous envoyer sur un autre live parce que vous êtes encore 36 en live. Merci encore d'avoir été si nombreux. C'est la fin, on va dire, de ce débrief. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Le combat s'est bien passé. Le sacrifice de Kratel s'est bien passé. Quoi dire de plus? On peut vraiment dire ça. L'éboulement de tout un pan géographique s'est bien passé. et d'un temple d'un dieu également, voilà. Exactement, voilà. Il y a tout un pan de théologie qui s'est enfui dans la mer. Donc je pense que on va pouvoir vous envoyer voir une autre personne ce soir. Je vois qu'il y a quand même pas mal de monde en live ce soir. Je regarde rapidement. Qui on va vous envoyer voir, ce sera peut-être un peu d'art pour changer de ce monde de brut, on va dire, chez Fakir peut-être, ou vous envoyer chez Mayar. Mayar, c'est pas si mal. La mort vous va si bien. Bah, chez Mayar, c'est pas si mal. La mort vous va si bien. Mayar, ouais, on va aller chez Mayar, effectivement. De l'art. Non, au final, on va pas faire de l'art, on va aller chez Mayar. Il y a art dedans, mais voilà. J'en ai un autre. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Rejoignez le raid. La rediffusion pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de voir l'intégralité de ce qui s'est passé ce soir sera disponible dès demain soir à 19 h sur YouTube. Donc, vous pourrez voir cette rediffusion et également voir derrière le débrief. Que, je vais peut-être mettre en ligne un petit peu plus tard dans la semaine. On se retrouve de notre côté en live mercredi soir pour du jeu de rôle où je serai joueur et jeudi soir pour ceux qui veulent continuer d'échanger sur cette session de jeu en pépouze autour d'un jeu. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette soirée. C'était Les Dés sont Jetés avec Eldebaf, Mibi, Mayal et Kratel. Merci à tous. Et Kratel. Voilà, je vais remettre le générique de fin. On vous fait des gros bisous et on dit à très bientôt, à très vite en début septembre pour la saison 2, le deuxième chapitre.